Madame Maury-Pasquier, bonjour. Votre rapport sur la santé publique et les intérêts de l'industrie pharmaceutique, comment garantir la primauté des intérêts de santé publique, vient d'être débattu en Assemblée. Quels sont les constats à la base de votre rapport ? Alors, les constats portent simplement sur l'observation globale des prix des médicaments, qui sont pour la plupart pris en charge par les systèmes de sécurité sociale et qui donc mettent en péril la durabilité de ces systèmes de santé publique et de sécurité sociale parce qu'ils ont constamment augmenté au cours des dernières années. De quelle façon les États membres pourraient-ils participer à l'instauration d'une transparence absolue au sein de l'industrie pharmaceutique ? Alors c'est sûr que ce n'est pas des concepts qui peuvent se mettre en place seulement dans un pays. Pour qu'ils soient efficaces, il faut que ce soit fait dans plusieurs pays à la fois. Un certain nombre de mesures ont déjà été prises, notamment dans le cadre de l'Union européenne. Mais on n'a pas du tout de transparence sur les coûts réels de la recherche et du développement. Et c'est sur ces coûts-là qu'on aurait tout à fait intérêt en tant que population des pays concernés, mais aussi patients, aussi payeurs d'impôts, d'avoir des éléments concrets qui permettent de fixer quel est le coût réel d'un médicament, en sachant bien évidemment que toute entreprise doit pouvoir vivre de ses recherches et de ses productions. Et donc dans ce sens-là, c'est normal qu'il y ait un bénéfice. Le problème est sans doute dans la marge d'appréciation de ce bénéfice. Merci beaucoup, Madame Maury-Pasquier, pour ces précisions et d'avoir rejoint la MediaBox. Merci à vous.